Bonjour tout le monde. Je vais démarrer d'abord par vous dire que je suis très 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 heureuse d'intervenir en Suisse, qui est un de mes pays d'origine, avec l'Espagne qui est le deuxième. Donc je tenais à vous le signaler. Et la deuxième, c'est quand même de remercier les collègues qui m'ont invité. Donc Hélène, nous avons Claudia, et puis nous avons Madame Klopfenstein, et nous avons Sandrine, et je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Marc Alevi disait tout de suite, il faut réinventer le monde, il faut réinventer l'école, il faut réinventer la politique. Pour pouvoir faire ça, et je partage tout à fait avec lui ce besoin-là, il faut réduire le désabusement que je vois quand même dans beaucoup de personnes, jeunes et moins jeunes, une façon de baisser les bras par rapport à ce qui se passe, et un désabusement qui va jusqu'à un certain cynisme par lequel on accepte ce qui arrive, certes en rigolant et en se moquant de ce qui arrive, mais qui empêche l'action. D'accord ? Donc moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de voir comment on peut agir par rapport à ça et de réduire le désabusement, notamment dans le monde de l'entreprise. Hein, ça va être vraiment mon angle de présentation. Pour ce faire, je voudrais démarrer avec vous à vous présenter une vidéo. Elle dure 6 minutes. Donc au-delà de vous faire plaisir, parce que moi je la trouve extrêmement chouette, je vous demande d'identifier en regardant cette vidéo une espèce de progression. Vous allez voir qu'il va y avoir une progression de qualité relationnelle à l'intérieur des personnes qui sont présentes dans la vidéo. Et puis ça finira par quelque chose que l'on débriefera ensemble tout à l'heure. Tall and straight, my mother taught me. This is how we dance. Tall and straight, my father taught me. This is how we dance. Battering feet on the city street. In pools of light on street corners. The proud, bright carnival of the poor. Thank you.
Bien, alors cet auditoire que vous voyez très excité à la fin, ce sont vos clients. Hein? Et pour qu'ils soient comme ça, contents, et puis qu'ils aient envie de traiter avec vous en tant qu'entreprise, il faut qu'ils reçoivent ce type d'énergie des entreprises que vous managez. Et c'est ça qu'on va voir ensemble, en quoi l'intelligence collective peut contribuer à ça. Alors ce que je vais faire, comme je savais, on m'avait prévenu que cette séance allait être enregistrée, et que ce slide d'ailleurs sont à votre disposition, ils ont été conçus pour vous, vous n'avez pas besoin de noter rapidement ce qu'il y a dessus, je vais parler assez rapidement, sans prendre le temps nécessairement d'approfondir un certain nombre de concepts, et j'ai décidé de vous donner pas mal de contenu. Vous aurez toujours le temps, si ça vous a intéressé, de revenir dessus pour y réfléchir plus longuement. D'accord ? Donc, j'ai analysé cette vidéo un peu pour vous, et puis j'aimerais voir décortiquer ça avec vous. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on est dans un processus classique, à la fois chez un individu et à la fois dans une zone, dans une organisation, d'accord ? Dans un ensemble d'individus. D'abord, il y a le besoin de se concentrer sur notre valeur individuelle. Donc bon, la vidéo accentue, si vous voulez, une approche assez masculine, je dirais, de la danse. Et puis, si on le ramène au management, c'est un peu ce qu'on voit beaucoup dans les entreprises. Mais il y a ce besoin d'exister par nos compétences contre l'autre. Pour exister, on a besoin de se confronter à l'autre et de montrer à l'autre que l'on est meilleur. On a vu ça entre les Blacks et les Irish dans la vidéo. Donc ça, c'est extrêmement classique dans le démarrage. Donc il faut l'accompagner, il faut l'accepter, mais il faut pouvoir dépasser cette phase si on ne veut pas rester au niveau des égos. Hein? Ensuite, il y a, vous voyez, une porosité qui s'établit parmi les membres. Et là, c'est quand on développe, si vous voulez, un besoin de conformisme et de conformité au groupe. Là, on a besoin de cette appartenance, on a des besoins d'appartenance. C'est également normal dans la construction d'une organisation, dans la construction d'un collectif, mais si on en restait là, alors ça voudrait dire que passer du bon temps ensemble, être à la machine à café et bien critiquer comment les choses se passent serait la priorité de chacun d'entre nous. Ça peut arriver, il y a des organisations qui en sont là, mais c'est précisément, je vous en parle, parce qu'il faut absolument dépasser, accompagner cette phase-là. On arrive à la troisième phase qui est la caractéristique de la plupart des entreprises que j'accompagne, qui est non, finalement, on reconnaît les compétences, on reconnaît l'importance de l'appartenance à un groupe, d'accord, ça veut dire les valeurs, la culture de l'entreprise, mais on est autour d'un objectif commun, ça peut être le projet d'entreprise, ça peut être la vision, c'est tout ce que c'est extrêmement important, mais ce n'est qu'une condition nécessaire, certainement pas suffisante. Donc si vous en êtes là, c'est très bien, mais ça veut dire que vous êtes encore en chemin avant d'arriver à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus puissant dans le cadre de la complexité actuelle. Et je rappelle que la complexité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tous interdépendants entre nous. Hein? Donc la simplicité, ça veut dire qu'on peut être complètement indépendant. La complexité, ça veut dire que pour que vous réussissiez, il faut que moi je réussisse. Donc plus vous m'aidez à réussir, plus vous réussirez vous-même. D'accord? Si vous échouez, j'échouerai avec vous. Donc j'ai tout intérêt à coopérer. Donc c'est ça que ça veut dire la complexité. Donc l'objectif ici, c'est d'arriver à ce quatrième niveau qui se différencie du précédent par le fait qu'on donne l'importance aux différences, à la pluralité, qu'on accepte et on accueille le conflit, parce que sans conflit, sans confrontation, sans idées différentes, ça veut dire que la valeur ajoutée d'être plusieurs est extrêmement limitée, puisqu'intelligence collective, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que collectivement, nous sommes plus intelligents que le plus intelligent des membres individuels. Ça veut dire ça. Hein? Sinon, on ne ferait que déléguer à l'individu le plus intelligent qui deviendrait le patron. Quelques patrons, d'ailleurs, s'identifieront avec cette définition. Mais aujourd'hui, c'est peu probable que ça existe. Nous savons que nous sommes dans une économie de la connaissance, donc entourés d'experts, un peu comme les danseurs que l'on a vus là, qui sont des experts dans leur domaine, des experts que même les musiciens, qu'on peut considérer leurs leaders, n'ont pas cette expertise-là. D'où l'importance de cette intelligence collective. D'accord ? Donc c'est là qu'il y a la notion aussi de sens créatif. Donc Marc parlait de sens, moi je vais plus loin en parlant de sens créatif, c'est-à-dire un minimum de désordre qui sera nécessaire pour pouvoir arriver à avoir des idées créatives. Hein, un désordre dans un cadre co-créé, mais un désordre quand même. Donc pour ce faire, je voudrais vous présenter
la métaphore d'un gâteau, hein, pour ceux d'entre vous, hommes et femmes, qui de temps en temps, le dimanche, préparent des gâteaux pour leurs chéris ou leurs enfants ou petits-enfants quand ils sont déjà là. Il faut un certain nombre d'ingrédients. Dès qu'un ingrédient manque, ben, le gâteau, il n'est pas bon. D'accord ? Donc là, je vais partir de la même hypothèse. Ce n'est pas parce qu'on a 7 des 8 ingrédients qu'on va réussir l'intelligence collective. Il faut les 8. Ce à quoi je vous invite à réfléchir, c'est à quel point vous, chacun d'entre vous, vous appliquez ce qu'on va voir ensemble avec vos équipes. Il y en a qui sont d'une évidence absolue, mais c'est l'ensemble des 8 qui va faire la différence. Alors, je vous demande de réfléchir à vous en tant que responsable hiérarchique vis-à-vis de vos équipes. Hein, et moins en tant que, est-ce que vos propres hiérarchiques, quand vous les avez, l'appliquent avec vous, ce qui est notre tendance. D'accord ? On est toujours plus en demande qu'à demander qu'à donner. Hein, ça, c'est un peu la nature humaine, avec quelques exceptions. Donc, je vous demande de réfléchir à vous en tant que manager. Donc, on va se focaliser là-dessus. Un peu comme dans un gâteau, nous avons 8 ingrédients. D'accord ? Nous avons 8 ingrédients. Et puis, je vais me focaliser sur certains d'entre eux, beaucoup plus que sur d'autres. Hein, certains sont vraiment d'une grande évidence. Je n'ai pas un temps illimité, ce qui fait que j'ai décidé de me focaliser sur 3 d'entre eux plus particulièrement et qui me paraissent plus difficiles et qu'en plus correspondent à mes domaines de recherche, hein, en tant qu'universitaire, dans lequel je souhaiterais vous partager un certain nombre de résultats rapidement. Le premier. Alors, excusez-moi, ça ne marche pas. Vous pouvez m'aider ? Là ? Merci. Alors ça, on l'a vu dans le niveau 3, hein, des phases de maturité, c'est établir le but commun. Cela dit, on serait étonné de voir combien d'entreprises pensent éventuellement l'avoir, mais ça ne sert à rien d'avoir un but commun, un projet d'entreprise, s'il n'est pas connu des uns et des autres. D'accord ? Donc la vision doit être claire, le but commun doit être clair, et il doit être partagé et rappelé régulièrement. Là où il est intéressant, bien évidemment, c'est dans le cadre de la prise de décision. Hein, donc je parlerai plus tard de la cohérence entre ce but et la prise de décision et bien évidemment le comportement. Mais à ce stade, on en est au but commun et donc ça, vous voyez tous ce dont il s'agit. Le deuxième ingrédient de notre gâteau d'intelligence collective, c'est de définir la notion de redevabilité. Donc c'est la traduction, c'est un mot un peu bizarre, mais c'est la traduction du mot accountability en anglais. Et puis les conséquences, c'est-à-dire que là, l'idée, c'est de dire que l'on souhaite qu'ensemble, nous ayons une mentalité orientée solution et pas ce qu'on voit tellement souvent, cette orientation tournée problème. Qu'est-ce qu'on est fort pour identifier les problèmes ? C'est déjà bien. Mais enfin, si on est là, chacun d'entre nous, pour plutôt identifier des solutions à ces problèmes, où qu'on soit dans la hiérarchie, d'accord ? C'est 1000 fois mieux. Et puis, ça veut dire bien que si c'est où qu'on soit dans la hiérarchie, il faut qu'on puisse écouter tout le monde à n'importe quel niveau hiérarchique. Hein? Donc ça, c'est le deuxième, clarifier, parler de la notion de redevabilité. Nous avons des obligations de résultats et de moyens. Donc c'est l'un et l'autre, et pas l'un ou l'autre. C'est pas, mais j'ai essayé de le faire. Marc parlait de son fils de 18 ans. Moi, j'ai le mien de 17 ans que j'adore. Hein, mais il me dit régulièrement, j'ai essayé de le faire ou c'est pas de ma faute. Et donc là, il y a un travail à faire de dire, je l'espère que ce ne l'est pas, d'accord. Mais il y a une grosse différence entre l'intention et l'impact. Et ce qui compte, c'est l'impact autant que l'intention, d'accord. Et donc, par rapport à ça, je vous montre les résultats très rapidement d'une étude, puisque parler de la redevabilité peut paraître un acte, je dirais, difficile, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vaut mieux expliciter les attentes, et j'y reviendrai plus tard. Et il y a une étude qui montre clairement que l'ensemble des salariés attendent que les managers soient à la fois bienveillants, ce qu'ici ils appellent nice, bienveillants, et exigeants, ce qu'ici ils appellent tough. S'ils sont que exigeants et pas bienveillants, nous avons un souci. Mais ce que je remarque plus, moi, dans les organisations qui font appel à moi, c'est que quand on n'est que aimable et gentil, mais qu'on n'est pas exigeant, ben, on perd également, vous le voyez, on perd la motivation de tous les salariés. Donc il faut arriver à trouver cet équilibre dans le cadre de cette tension entre la bienveillance et l'exigence.
Le troisième ingrédient, et ça fait partie d'un des trois où je vais passer un petit peu de temps, c'est de développer la confiance. Développer la confiance, qu'est-ce que c'est facile à dire? On sait tous, tout le monde me dit d'habitude, bah oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous-même, vous faites confiance à vos équipes? Parce que faire confiance à ses équipes, ça veut dire cesser de contrôler. Alors on me dit très souvent, comment ça, cesser de contrôler? Mais enfin, tu ne te rends pas compte, si on arrête de contrôler, ça part n'importe où. Mais je dis, mais bien évidemment, il y a des conditions à mettre en œuvre pour que la confiance puisse aller dans le sens du fameux but commun, d'accord? Par lequel on va avoir une délégation d'autonomie auprès de nos salariés. J'en parlerai un petit peu plus bas. Mais ça veut dire apprendre à lâcher prise. Et donc, ça veut dire également, pas seulement travailler la confiance au niveau organisationnel, mais également avoir suffisamment confiance en soi, donc pas trop et pas trop peu, pour pouvoir se dire que même quand je vais être trahi, puisque c'est le principe même de la confiance, c'est le risque d'être trahi, je vais garder ma confiance puisque je vais rétablir, rappeler les conditions de cette confiance. D'accord ? Au lieu de me fermer et de surprotéger et de surcontrôler, qui est ce qu'on fait les uns et les autres habituellement. Donc, par rapport à ça, ça me paraît important de vous définir assez rapidement qu'est-ce que ça veut dire confiance. Donc, la confiance, ça veut dire que j'accepte de me rendre vulnérable. D'accord ? Donc c'est cette notion où je suis une posture de confiance, c'est celle par laquelle je te fais confiance sur le fait que tu es bienveillant, intègre et compétent. Hein, donc ça veut dire que ça, ce sont quand même des variables que l'on peut un peu apprécier chez l'autre. Donc on ne se rend pas vulnérable bêtement, on se rend vulnérable sous ces conditions-là. À ces conditions-là, on est capable... On doit pouvoir être capable de se rendre vulnérable où qu'on soit dans la ligne hiérarchique. D'accord ? C'est une décision à prendre. Et plus on est haut dans la ligne hiérarchique, plus cette décision doit être claire pour éviter tout discours ambivalent par rapport à ça. Et je me souviens, là, j'ai fait une différence, j'ai accompagné une entreprise qui me disait « Carolina, c'est compliqué parce que figure-toi que la signature de mon entreprise, c'est la confiance, c'est « faites-nous confiance, je t'assure » qu'il y a confiance dans l'entreprise, et pourtant, les surveys d'engagement montrent que les salariés ne nous font pas confiance à nous, la direction. Et donc, il a fallu faire un petit peu des recherches pour savoir, en effet, où était le souci. Et c'est le fait que le slogan de l'entreprise mettait en avant la confiance cognitive, c'est-à-dire tout ce qui était la fiabilité des différents salariés, la fiabilité des produits, c'est une société de production, des produits vis-à-vis des clients. Donc, toute cette notion de fiabilité qui est fondamentale de la confiance, c'était là que tous les efforts étaient mis, alors que les salariés, leur interprétation était un autre type de confiance, bon, qui en fait partie, hein, c'est l'autre côté de la monnaie, qui était la confiance affectivité, c'est-à-dire tout ce qui est la confiance, et fais-moi confiance, moi, d'un point de vue de mon engagement, de ma bienveillance, de mon intégrité, fais-moi cette confiance-là. Et quand on a identifié qu'il y avait simplement ce décalage entre les types de confiance, les deux natures de confiance, ben, ils ont simplement ajouté le mot professionnel à confiance, qui est une façon de faire appel à la confiance cognitive que je vous décris dans le slide. Donc, expliciter les attentes, c'est très en lien avec le précédent. Expliciter les attentes, c'est quelque chose de très important dans l'intelligence collective. Pourquoi ? Parce qu'on a tous des attentes. Là, par exemple, je suis devant vous, et vous avez des attentes à mon égard. Elles sont totalement implicites. Si je vous demandais d'y réfléchir, vous seriez capable de me les citer. Mais il faudrait quand même que vous réfléchissiez un peu. D'accord ? Tellement elles sont implicites et tacites. Moi, j'ai des attentes par rapport à moi-même, et j'ai un certain nombre d'attentes par rapport à vous, un minimum, que vous me regardiez ou que vous regardiez les slides, que vous ne soyez pas en train de regarder, etc. Il y a des attentes qui sont présentes. Dans la vie de famille, les attentes doivent rester implicites, ça veut dire que c'est fluide. Mais dans la vie du travail, les attentes doivent être clarifiées, parce qu'on joue tous des rôles, et plus on est capable d'expliciter nos attentes, c'est un exercice difficile, plus on sera dans la situation à éviter d'éroder la confiance. Parce que les recherches que j'ai menées ont montré que un des facteurs d'érosion de confiance, un des principaux, c'est tout simplement la déception répétée des attentes implicites. Donc, si ces attentes implicites devenaient explicites, on pourrait
avant de devenir désabusé par rapport à un manager qui, si ça se trouve, il n'a même pas compris quelles sont les attentes de ses équipes à son égard, on pourrait tout simplement aborder le sujet et donc réparer, si vous voulez, cette réduction de confiance. Plus particulièrement, les trois attentes implicites qui existent dans la plupart par rapport aux études que l'on a menées quantitatives sont la compétence métier, le soutien et l'absence et l'autonomie, donc l'absence de micromanagement. D'accord ? Donc on voit que tout ce qui est proche d'un contrôle perçu quand le salarié considère qu'il est compétent réduit la confiance. Et précisément par rapport à ça, je voulais vous demander très rapidement combien de loups voyez-vous ici ? Ok. Combien on a vu ? On en a vu un ? Combien on en a vu deux ? Combien on en a vu trois ? Combien on en a vu quatre ? Et combien on en a vu cinq ? Ok ? Pourquoi je vous montre ça ? Pourquoi je vous montre ça ? Parce qu'il y en a cinq, en fait. Simplement, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, donc oubliez ça, on a tous un niveau d'intelligence cognitive relativement élevé, d'accord, autour de la salle. Ça a à voir tout simplement avec les perceptions. Ça veut dire que toute la réalité que vos salariés, vos collaborateurs, vous-même avec l'entreprise, vous avez avec l'organisation, sont basées sur des perceptions. Et c'est pour ça que les attentes implicites doivent être explicitées, parce que très souvent le manager va répondre « mais j'ai essayé de faire ça, j'ai essayé de ne pas contrôler ». Mais ça, c'est dans l'intention. Ce qui compte, c'est l'impact qu'il a sur les autres, et l'impact, ça se traduit par la perception du receveur. D'accord ? Et donc, vous voyez que là, on regarde une image qui est la même pour tout le monde, on ne voit pas les mêmes choses. Donc ça veut dire que toute réalité ne peut pas être interprétée de la même façon par chacun d'entre nous. D'où le besoin d'expliciter l'intelligence collective passe par énormément d'explicitation. Énormément et méthodique. Donc ensuite, à chercher à accompagner le développement des membres, donc ça on le sait, chacun d'entre nous on est objet de production, c'est sûr, c'est pour ça qu'on nous paye à la base, mais on est également des sujets en développement, on a un cerveau, on peut apprendre, on peut s'améliorer. D'accord, on sait que l'organisation doit passer par là. Donc ça, c'est une image que vous avez peut-être déjà vue, mais qui est très drôle. Parce qu'en gros, vous voyez, quand on essaye, vous avez un salarié qui a une idée, et on lui dit, mais tu sais, on a des priorités, cher ami. On est pressé, on n'a pas le temps. D'accord, donc l'image en dit long. Développer les compétences de communication et de gestion de conflits. Vous avez vu dans le processus à quatre étapes basé sur la vidéo que, en fait, éviter le conflit, ça ne sert à rien puisque ça, on ne l'évite pas. Le conflit va devenir latent, il va pourrir, d'accord ? Ça ne sert à rien de laisser pourrir une situation, il faut pouvoir l'aborder. Et puis, en plus, il va devenir personnel, alors que ce qui est intéressant, c'est de gérer la confrontation d'idées. C'est de gérer la confrontation de points de vue et d'opinions qui ont toutes la même valeur. D'où l'intérêt aussi d'avoir explicité les attentes auparavant, parce que ça veut dire qu'on va avoir décidé de comment on gère des différends et de comment on prend les décisions. D'accord ? Donc là, typiquement, voilà, un manager qui est plus heureux quand il ne observe pas ou qui ne voit pas ou qui ne veut pas voir les conflits avec qu'il y a dans ses équipes. Et puis, très rapidement, un petit rappel des choses que vous devez savoir, mais je vous invite à y réfléchir parce que la gestion du stress est fondamentale dans les organisations. Il y a beaucoup de stress aujourd'hui dans les organisations, en plus du désabusement. D'accord ? Et ça veut dire que quand on est sous stress, on est sous emprise émotionnelle. Et si les émotions peuvent être très positives par moment, elles peuvent aussi être un piège parce qu'elles empêchent notre cerveau rationnel de prendre le dessus sur la situation. Donc c'est de là qu'il est important d'apprendre à gérer son stress pour que nos réponses soient justes, soient les plus justes possibles, d'accord ? Et qu'on puisse discuter des choses et qu'on puisse éviter de juger autrui et qu'on puisse rester sur les sujets. Accepter et apprécier les différences. Donc on l'a vu dans la vidéo, vous avez vu comment les danseurs se renifle, si vous me permettez ce mot-là, au départ, pas tout à fait avec sympathie,
Et qui, quand ils voient que finalement, ils ont la même passion qui est la danse, même s'ils ont des styles différents, chacun des styles a la même valeur en termes absolus, d'accord, malgré leurs différences. Et ce qu'on voyait à la fin, là, il y a le petit chat, hein, très plein de courage, il se fait entendre. Après, il faut que l'organisation permette qu'il soit entendu, bien évidemment. Mais on a vu, si je reviens aux danseurs, que quand ils ont uni leurs deux compétences de danse, les deux styles de danse, à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appris les uns des autres. Ils sont revenus à leur propre style. Donc, ça ne veut pas dire de nier son style. Mais leur propre style en est sorti bénéfique, en situation bénéfique. Il s'est amélioré. Et à la fin, quand tout le public applaudit, c'est parce qu'ils ont redansé avec une énergie qui n'existait pas au départ, alors que c'était des grands experts. D'accord ? Et ça, c'est un des apports de la différence. Donc, on pourra parler de genre homme-femme, si vous le souhaitez, pendant les questions-réponses. Ça me paraît quelque chose de très important d'accepter la différence. Et alors ici, vous allez probablement vous y reconnaître. Moi, c'était amusant que quand je suis arrivée à mon université, j'avais fait une proposition, je ne me souviens même plus de quoi il s'agissait, et je me souviens que j'avais noté sur un coin de mon cahier la réponse que j'avais reçue. Pourquoi pas, mais ça n'a jamais été fait avant ici, donc on ne va pas le faire. Et cette phrase m'avait marquée, vraiment, m'avait marquée. Et je pense que c'est peut-être le déclencheur qui a fait que je me suis intéressée à conduire du changement. Tu vois? Et c'est exactement ce qui se passe ici. C'est la même idée, c'est toute idée différente quand on est sous stress ou quand on est convaincu qu'on fait très bien, donc ça c'est le biais de succès, hein, qu'on fait très bien, on l'écarte. Hein, et aujourd'hui on est dans un monde où on doit constamment se réinventer. Donc toute idée différente qui arrive, c'est une prise de risque, probablement de temps, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire le temps? Le temps peut être considéré comme abandon, comme abondant. Hein, selon l'utilité qu'on en fait, si c'est une bonne utilité. Et je viens au dernier ingrédient de notre gâteau d'intelligence collective, c'est le leadership personnel. Donc là, je vais y rester un petit moment, parce que je dirais que ce n'est pas par hasard que c'est le dernier ingrédient, hein, c'est un peu celui qui va faire la différence de moelleux de votre gâteau. Hein, et c'est celui par lequel on va apprendre à sortir de sa zone de confort. Le leadership qui reste dans sa zone de confort, notamment parce qu'il a eu des succès récents ou dans le passé, d'accord, ça veut dire qu'il n'est plus en phase d'apprentissage. Il y a une chercheuse qui s'appelle Madame Dweck qui travaille sur le mindset. Elle appelle ça la mentalité. Moi, tout à l'heure, j'utilisais mentalité orientée solution, mentalité orientée problème. Elle dit, certains d'entre nous avons un fixed mindset. Et le fixed mindset, c'est plus on évite les changements, plus on vise vers la stabilité, plus on réduit les risques de nous tromper. Ou le growth mindset, hein, le mindset de croissance, c'est plus on comprend que l'on est chacun d'entre nous en apprentissage, d'accord, et que toute situation, même qu'on soit le PDG, le plus haut placé, toute situation est source d'apprentissage, d'accord, ça va faire une très très grosse différence, même en interne dans l'organisation, et surtout en interne dans l'organisation. Donc vous allez le voir, l'exemplarité, la cohérence, la conscience de soi et la gestion du stress sont importantes. La gestion du stress, je vous prends que comme exemple Elon Musk. On n'arrête pas de s'acharner sur lui. Moi, quand je regarde les vidéos à laquelle on fait référence dans les médias, je vois juste un homme qui n'arrive plus à gérer son stress, d'accord, qui n'arrive plus à gérer son stress, ce qui ne lui enlève pas les compétences qu'il avait jusque-là. Et on juge ça. Donc, vous voyez l'importance ou l'impact que ça peut avoir. J'aimerais, par rapport à ça, maintenant que je vous ai donné les 8 ingrédients, j'aimerais vous présenter un certain nombre de réflexions sur la notion d'ego, d'accord? Parce que ça me paraît aujourd'hui, dans le monde occidental, dans le monde qui est le nôtre, une vraie problématique dans les organisations. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes dans un monde dans lequel, dans l'ensemble, sauf une partie de la population, mais qui ne nous concerne pas, de ce que je peux deviner, nous avons tout
et plus que ce dont on a besoin. On est les enfants gâtés du monde. D'accord ? Et donc, je suis toujours assez étonnée quand j'entends des gens, beaucoup de gens autour de moi, peu importe dans quel niveau de la hiérarchie ils sont, se plaindre. Et je pose toujours la question, hein, on parlait de mentalité, orienter problème ou orienter solution, donc quelle est la réponse que tu peux amener pour réduire cet état d'insatisfaction que tu exprimes par la façon dont tu te plains, hein, le fait de te plaindre. C'est jamais lié à eux, c'est toujours lié à l'organisation, alors c'est peut-être vrai, hein, c'est peut-être vrai, mais on peut tout à fait créer à n'importe quel niveau de l'organisation sa bulle d'excellence, c'est-à-dire la capacité déjà d'appliquer ça au niveau de ses équipes, si on est dans cette démarche de vouloir développer son équipe et de vouloir travailler pour un sens. Hein. On ne me le donne pas, je me le crée. Si on me le donne, tant mieux, je le prends et je l'adapte à mon niveau. Donc ça, c'était un point que j'aimais voir avec vous. Et puis, ça va un petit peu avec Viktor Frankl, qui est un psychiatre extrêmement intéressant. Donc là, je vous ai laissé l'image que j'ai en anglais. Mais c'est entre le stimulus et la réponse, d'accord, un stimulus extérieur du monde, notamment un facteur stressant, et la réponse que je décide de donner, alors que je décide pas forcément que rationnellement, mais beaucoup, très souvent émotionnellement, il y a quand même un espace. D'accord ? Dans cet espace, il y a le pouvoir de choisir notre réponse. Et dans cette réponse, il y a notre croissance et notre liberté. Donc ce que je dis souvent, c'est que la plus grande puissance que l'on a dans nos sociétés, c'est la liberté. Nous avons également la liberté soit d'essayer de changer les choses dans l'organisation, soit si on n'y arrive pas et que ça ne colle plus avec nos valeurs, de pouvoir aller voir ailleurs. Hein? Donc ça c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec les managers, mais ce que je voulais vous dire, c'est que vous, dans les entreprises et particulièrement dans le secteur bancaire, on va le voir tout de suite, vous souffrez d'une image qui s'est créée depuis les années 80 et notamment depuis les années 2000 autour de scandales, hein, d'accord, autour de scandales d'absence ou de manque d'intégrité par certains dirigeants dans des grandes entreprises. On peut prendre comme exemple, dans les années 90, nous avons les cas du Crédit Lyonnais, Elf, Samsung. Dans les années 2000, nous avons les cas de Vivendi, par exemple. Nous avons les cas de EADS, hein, avec le délit d'initié. Nous avons le cas, bien évidemment, de Madoff. Nous avons le cas de Enron, hein, qui va fêter ses 10 ans, de Volkswagen, la plus récente. Etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la presse s'est emparée de ces scandales. Et c'est important par rapport à l'intelligence collective, vous allez voir, parce qu'elle s'est emparée de ça. Là, j'ai des exemples un peu plus anciens, en traitant ça de cynisme patronal, de cynisme des dirigeants. Et que ce soit vrai ou pas, je reviens au fait que nous avons tous une perception et que nous prenons nos décisions et nos réalités basées sur nos perceptions. Il y a cette idée, elle s'est rentrée dans l'inconscient collectif, que les grands patrons ont une certaine tendance à utiliser le pouvoir, pas le pouvoir pour développer l'organisation, mais le pouvoir pour développer les intérêts personnels. D'accord ? C'est ça qu'on appelle le cynisme patronal. Donc vous voyez, il y a énormément toutes ces notions de cynisme qui s'est développée. Et donc ça s'est rentré dans les inconscients collectifs. Et quand je parle avec des jeunes que vous allez recruter, que vous êtes en train de recruter, ils ont un peu une croyance comme quoi on va un petit peu chercher à les exploiter d'une façon peu intègre. Donc on sait que ça peut être vrai et on sait que ça peut être pas vrai. Mais c'est dans l'inconscient collectif. Et donc, je tenais alors cette image, pardon pour le secteur, mais elle est parue souvent dans la presse. Moi, je m'en suis même servi dans ma thèse, alors que normalement, on n'utilise pas d'image dans une thèse de doctorat, document extrêmement formel et ennuyeux, parce qu'elle en dit long. Elle en dit long sur, si vous voulez, l'inconscient collectif. D'où le fait que l'intelligence collective, elle est considérée être plus facile dans des petites structures ou moyennes structures que dans les grands groupes. Moi, je dis c'est faux. Mais je dis les grandes structures doivent être conscientes que cette image générale, elle existe.
D'accord? Alors, cette image, elle correspond à quoi? Donc, moi, ça a été l'objet de mes recherches également, au-delà de la confiance. Ça a été de travailler, qu'est-ce que ça veut dire cynisme des dirigeants? Parce qu'une fois qu'on avait dit ça, il fallait quand même arriver à le définir. Alors, les recherches qui sont poussées, qui sont disponibles pour vous tous, c'est qu'on considère que les dirigeants d'un grand groupe ont tendance à avoir des discours de duplicité. C'est quoi un discours de duplicité? C'est « je dis que la confiance est importante et que ce que je fais que du contrôle et en cas de crise, je multiplie le reporting et je fais faire du reporting, au cas où le premier reporting serait bancal. » D'accord? L'arrogance, c'est cette idée qu'il n'y a que les gens qui dirigent qui savent ce qui est bon pour l'organisation. Donc ça empêche l'écoute des salariés, d'accord, notamment ceux qui sont en contact avec, avec les clients. Donc tout le personnel est en contact. Et puis l'absence d'intégrité, ça fait partie de cette notion, de ce concept de cynisme du dirigeant, cette perception qu'il y a des comportements opportunistes dans le but de s'enrichir personnellement. D'accord. Et donc, une fois que j'avais trouvé ça, je m'étais dit, mince, il faudrait quand même qu'on partage ça pour que les dirigeants soient conscients que ça existe. Et il y en a plein qui me disent, mais moi, je ne suis pas comme ça. Mais je dis, ben, j'en suis sûr. Mais ça veut dire qu'il faut que tu saches que ça, c'est rentré dans l'inconscient collectif. Donc, il faut que tu me prouves, d'accord, que tu prouves que tu ne l'es pas, que ta culture d'organisation et que tes valeurs ne véhiculent pas ça. Donc, il faut que tu sois, quand on regarde, ça, c'est le PDG cynique ou perçu comme cynique, il faut nécessairement aller vers l'opposé. D'accord? Donc là, je suis toujours l'ingrédient numéro 8, qui est le méta-ingrédient, si vous me permettez, de notre super gâteau. Donc c'est la sincérité. Alors des gens me diront, mais attends, mais on ne peut pas tout dire, tu te rends compte? Et moi, j'enverrai là à l'exemple de HCL Technologies en Inde, que certains d'entre vous doivent connaître. Et si vous ne connaissez pas, je vous le demande, là, c'est un conseil, une demande amicale. Renseignez-vous. Il y a toutes les informations sur Internet. Vinit Nayar, HCL Technologies. Comment lui, en Inde, un pays extrêmement difficile dans les organisations compte tenu du système des castes. Il faut savoir que le système des castes est tellement complexe que même quand je vois des collègues universitaires là-bas, ils refusent de m'en parler. D'accord? C'est comme si c'était un tabou. Secret de Polichinelle, mais secret quand même. Et dans lequel il a réussi à développer la pyramide inversée. C'est-à-dire que lui-même, quand il est arrivé là-bas, résultat à la clé. C'est-à-dire qu'il a multiplié le nombre de clients, les bénéfices, le chiffre d'affaires. Il a pu développer, dans les 4 ans, ouvrir 1500 postes, création de postes. Donc ça, tout est documenté dans la presse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à renverser la pyramide. Je vous donne juste deux exemples de ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, avant de vous les donner, je vais vous dire, il est souvent invité en Europe. Et puis, les patrons européens lui disent, c'est super intéressant, Vini, tout ce que tu dis et tout ça, très admiratif, mais ici, ce n'est pas possible de l'appliquer. Tu vois, chez toi, oui, mais ici, non. Et il répond toujours, très, très intelligemment, il répond toujours, si on a pu le faire en Inde, cher ami, tu peux le faire en Europe occidentale, d'accord? Mais il te faut les petits ingrédients que l'on a cités ici. Et donc, les deux choses qu'il a faites, il en a fait plusieurs, mais je vous en cite que deux. C'est, tous les managers subissaient, comme dans de nombreuses entreprises, un rapport, une évaluation 360 degrés. Hein, donc, des subordonnés hiérarchiques, des pairs en latéral, et puis de leur propre ligne managériale. Et donc, il y avait un intranet dans lequel ces évaluations étaient partagées. C'est-à-dire que tout le monde était au courant des axes disons, forts et des axes de progrès de l'ensemble de la ligne managériale. L'objectif était de montrer l'humilité. Deuxième point que je mets ici. C'est-à-dire qu'on n'est pas les plus forts parce que de toute façon, on ne l'est pas. Hein? On est tous des êtres en progrès, même moi là-haut, le PDG. D'accord. Et la deuxième chose qui me paraît même personnellement encore plus intéressante, c'est qu'il a renversé la pyramide en disant, le personnel en contact, c'est le personnel le plus important, c'est celui qui est avec le client. Donc l'organisation oublie le client extérieur et se centre sur son client intérieur qui est le personnel en contact. Ça veut dire que c'est le personnel en contact, dès qu'il a un problème, il prend un ticket, il ouvre un ticket.
Et tant qu'il considère que le ticket n'est pas résolu, c'est-à-dire une problématique liée à un client externe, il ne peut pas le fermer et seuls les gens du bas de la pyramide peuvent fermer ce ticket et tout devient prioritaire par rapport à ça. Donc voilà, là je vous dis des choses qui sont... Donc c'est comment passer d'un climat de méfiance à un climat de confiance pour réduire ce désabusement dont on parlait en début de conférence et pour résoudre, pour répondre à ce que Marc Alevi a dit, il faut pouvoir réinventer le management, réinventer les organisations et répondre aux besoins des salariés, des clients, des citoyens à tous les niveaux. Je vous remercie beaucoup.